Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite comme ça la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir étape par étape comment créer un formulaire de saisie dans Microsoft Excel grâce au VBA. Je suis Willy comme votre formateur de solutions informatiques, qui est votre chaîne YouTube comme ça, dédiée aux solutions astuces informatiques. Et dans cette vidéo, comme je disais tantôt, nous allons voir comment créer un formulaire de saisie grâce au VBA. Le VBA qui est comme ça le langage, qui veut dire d'abord Virtual Basic for Application, c'est le langage de programmation orienté Microsoft Excel ou alors de la suite Microsoft tout entière, en l'occurrence Microsoft Excel. Donc dans cette vidéo, comme je disais tantôt, nous allons voir étape par étape comment créer un formulaire de saisie grâce au VBA. Donc en l'occurrence, nous allons voir étape par étape comment utiliser le VBA dans Microsoft Excel. Je vous promets que si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, voilà, vous serez même comme ça vous aurez des connaissances avancées sur le langage de programmation, sur le VBA. Donc restez scotché et regardez jusqu'à la fin, c'est juste après le jingle. Ok, avant de commencer comme ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier, vous accompagner dans la gestion de votre Microsoft Excel au quotidien. Également, si vous êtes débutant ou passionné par Microsoft Excel, si vous souhaitez autant pour moi acquérir davantage de connaissances sur Microsoft Excel, voilà, vous pouvez juste nous contacter à ce numéro pour bénéficier comme ça d'une formation sur mesure et adapté à vos besoins dans Microsoft Excel. Donc tout ce que vous avez à faire, vous nous contactez via ce numéro, soit appel direct, soit SMS ou alors WhatsApp. Donc nous allons vous répondre. Ok, le VBA. Donc comme je disais tantôt, le VBA c'est quoi? Déjà, j'ai déjà eu à faire une vidéo d'introduction sur le VBA. Donc si vous n'avez pas encore consulté cette vidéo, voilà, je vous ai laissé le lien juste là dans la description. Le VBA, qui veut dire comme ça Virtual Basic for Application, qui est le langage de programmation orienté Microsoft Excel. Et dans cette nouvelle vidéo, comme je disais, nous allons voir comment créer un formulaire de saisie dans Microsoft Excel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le VBA nous permet comme ça là de créer des petits formulaires qui vont nous permettre d'automatiser nos tâches dans Microsoft Excel. Vous allez voir, c'est très intéressant. Des formulaires comme ça avec des formes, des boutons, des listes déroulantes. Voilà, c'est très 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 intéressant le VBA. Donc là, c'est si vous souhaitez comme ça avancer, si vous souhaitez comme ça passer à un niveau plus avancé dans Microsoft Excel. Donc si vous souhaitez comme ça perfectionner votre Microsoft Excel. Donc qu'est-ce que nous allons concrètement voir? Nous allons voir comment créer un formulaire de saisie et plus précisément nous allons voir comment créer un formulaire de saisie de consultation dans un hôpital. Donc le formulaire en question, je me suis amusé déjà à le créer. Je l'ai fait rapidement et vraiment simplement. Mais vous voyez, vous allez vous voir, voilà notre formulaire en question. Vous voyez là, on a ici, c'est là que, en réalité ça c'est Microsoft Excel, hein. C'est juste que là, au lieu des tableaux, d'habitude, vous avez souvent les tableaux. L'affichage classique sont les tableaux. Mais là, on a utilisé le VBA qui nous permet comme ça de créer des différentes formes. Mais sinon, c'est toujours Microsoft Excel. Vous voyez là, vous pouvez ajouter un nouveau patient. Là, on a l'accueil, nouveau patient. Vous pouvez faire des consultations. Vous pouvez faire des consultations. Vous pouvez effectuer des filtres, par exemple. Donc, comme nouveau patient, par exemple, là, on a le nom du patient, on a son prénom, on a le sexe, on a la date de naissance et tout. On a sa taille et tout, l'attention. Est-ce qu'il a son statut positif ou négatif et tout. Bon, maintenant, vous voyez, là, si par exemple, on essaye d'ajouter un patient, il nous demande de remplir tous les champs parce qu'en réalité, tous les champs sont obligatoires. Et même lorsqu'on remplit tous les champs, on est également forcé la saisie des nombres négatifs. Donc, nous allons voir tout ça. Je vous promets que si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, voilà, vous serez à même de créer comme ça vos petits formulaires dans Microsoft Excel, grâce au VBA. Et en même temps, on va voir beaucoup de formules. On va également voir beaucoup de formules. Donc, voilà, je vous invite comme ça à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous voyez, là, on a également la possibilité de faire certains filtres en fonction des mots-clés. Vous voyez là, dès que vous tapez par exemple M, il vous affiche tous les patients avec tous les matricules des patients qui contiennent la lettre M. Donc vous voyez là, si vous affichez, vous mettez par exemple MO au fur et à mesure et la fine. Vous voyez, si on met par exemple MO, vous voyez là, il nous affiche. Lorsqu'on clique sur un matricule, parce que là en réalité c'est le matricule des patients. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour créer ce matricule. Lorsqu'on clique sur un matricule, il nous donne toutes les informations sur ce patient. Oui, là, il nous donne son nom, son prénom, le sexe, la ville et tout. Bon, le quartier, ça c'est normal, il doit afficher le quartier. Je vais faire ce réglage.
le statut négatif et tout, on va essayer de voir, vous voyez là positif, son statut, la phase et tout, vous avez également la possibilité d'effectuer des filtres, vous voyez là on peut afficher uniquement les hommes, on fait une recherche, il y a 17 patients trouvés, en fonction des statuts également positifs. Il a 12 patients trouvés en fonction, par exemple, de la région. On va prendre la région du centre, par exemple. Vous voyez là, il y a 4 hommes positifs dans le centre. On peut également affiner en fonction de la phase et tout. Et même en fonction du matricule. Si je tape, par exemple, un matricule là, vous voyez, lorsque je clique là, il nous dit, OK, ce patient-ci a effectué 2 consultations. Donc là, ce sont ces consultations-là, il a effectué 2 consultations. Ainsi de suite. Ici, c'est une seule consultation. Vous voyez, ainsi de suite. Donc voilà, c'est nous allons essayer de reproduire comme ça ce formulaire. Donc là, on va accéder directement à la base de données. La base de données, pour accéder à la base de données, j'ai inséré un mot de passe. Hein. Il faut insérer. On va voir tout ça vraiment. C'est très 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 intéressant. Vous voyez, là, on a la base de données. Là, vous voyez, la base de données vous affiche le menu classique de Microsoft Excel. Vous voyez, là, vous avez toute la base de données. Donc, en réalité, lorsque vous ajoutez, par exemple, un patient, il vient se loger dans cette base, dans la base de données. Vous voyez. Et là, je n'ai même pas terminé parce qu'il y a encore des informations que je dois ajouter. Mais bon, on va commencer comme ça. Et où est-ce que le VBA, pour écrire notre VBA, c'est où exactement? Vous voyez là dans l'onglet développeur. Si vous n'avez pas cet onglet, bon, je vous ai montré, mais c'est pas, je vais revenir. Si vous n'avez pas cet onglet, vous allez juste dans fichier, options. Bon, je sais pas quel Microsoft vous utilisez, mais là, moi, je suis pratiquement sur la dernière version 2000, 2019. Donc, vous voyez là, je crois c'est personnaliser le ruban. Voilà, personnaliser le ruban. Donc, par défaut, parfois, l'onglet développeur n'est pas coché. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est, vous voyez là, si je décoche l'onglet développeur, vous voyez, vous n'avez plus l'onglet développeur. Donc là, on va afficher l'onglet développeur, option, personnaliser le ruban. Vous cochez juste. Et là, l'onglet développeur arrive. Donc, pour ouvrir le BVA, vous allez dans développeur, Virtual Basic. C'est pareil avec les macros, parce que dans le VB, on voit également beaucoup les macros. Donc, vous avez Virtual Basic. Alors, voici notre VBA. Vous avez, voilà, nos différentes feuilles. Vous vous rappelez de cette feuille, non? Voilà, de cette interface autant pour avoir nos différentes interfaces. Donc, pour le moment, je crois qu'on a 4 ou 5. 4 ou 5, voilà, 5 interfaces. Donc, vous pouvez ajouter autant d'interfaces que vous voulez. Donc, on va vraiment essayer de reproduire tout ça. Donc, pour cela, on va ouvrir comme ça, là. Je vous ai préparé une... Un tableau autant pour moi. Un tableau sur lequel on va travailler. Donc là, j'ai créé quoi? J'ai créé comme ça une base de données pour les nouveaux patients. Donc lorsqu'on va ajouter un nouveau patient, voilà la base de données, le matricule, le nom. Je vous ai montré comment créer une base de données. Donc on ne va pas revenir dessus. J'ai également créé des listes. Vous voyez là, on a la liste des régions, on a la liste des villes. On a également la liste des quartiers par région, des villes par région, autant pour moi. Donc, c'est une petite ville que j'ai. Ça, c'est une petite base de données que j'ai créée. On a également la liste des quartiers par ville. Bon, c'est un peu long, ça va prendre un peu de temps. C'est pour ça que j'ai préféré créer ça à l'avance. Donc, là, c'est le sexe masculin, féminin. Là, c'est le statut. Là, est-ce que le patient est interné ou pas? Là, c'est positif P1, P1, le niveau. Le patient peut être décédé, par exemple, traitement qu'il prend, par exemple. Traitement. Donc, on va utiliser ça. Donc, là, ça peut être, par exemple, les patients positifs à un test. Ça peut être, c'est pas le palu ou bien, c'est pas positif à un test quelconque. Ça dépend de vous aussi, quoi. Donc là, j'ai créé, comme je disais tantôt, j'ai nommé mes listes. J'ai nommé les listes, c'est mieux ainsi. J'ai nommé les listes. Donc, vous voyez là, un gestionnaire de nom, voilà les différentes listes que j'ai nommées. Vous voyez, voilà nos différentes listes. Si vous voyez, si vous venez par exemple là sur le littoral, vous voyez là en réalité, vous voyez, ce sont les villes du littoral. Vous avez la possibilité d'ajouter dans ces modules-là, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres villes. Comme là j'ai mis Douala et DA, je peux ajouter encore, je peux mettre par exemple non, qu'est-ce que j'ai fait, normalement j'ai fait une petite erreur quelque part, hein.
Je vais prendre comme ça. Voilà. D'accord, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave. Je suis en train de corriger ça. Je suis en train de corriger. Ok, ça marche. Donc, vous voyez là, on a nos différentes. On a nos différentes listes qu'on a créées. Donc, on va sans plus tarder, on va passer comme ça. On va juste passer à l'application. Donc ça, on va réduire cette fenêtre. On va essayer de reproduire tout ça. Ça sera pas facile, mais on va essayer. Donc voilà notre feuille. Donc la première chose qu'on va faire, on va commencer à créer notre formulaire. Là, on a juste, voilà nos deux feuilles ici présentes. Donc on va commencer à créer notre formulaire. On va ajouter un premier user form. Donc vous faites un clic droit, là, dans insertion, user form. Ah non, il nous a créé le user form plutôt ici. Non, c'est pas là que c'est pas. Je veux pas là. Je veux supprimer ce user form-ci. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ici que je veux qu'il me crée le user form. Voilà, ça c'est bon. On a créé. Donc là, comme j'ai deux fichiers ouverts, vous voyez là, j'ai le premier fichier des consultations et le deuxième, le premier fichier, non, ce que j'ai déjà eu à faire. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà le user form que nous avons créé. Notre premier user form. Donc, vous voyez à ce niveau, si vous avez les propriétés du user form, donc là, c'est par exemple le nom. On va dire que le premier, la première interface que nous allons créer, c'est pour ajouter un nouveau patient. Donc on va par exemple on va renommer ça. On peut mettre en majuscule hein, nouveau. Oui, en majuscule NV. Nouveau patient. Donc on va renommer, on va mettre nouveau. Nouveau patient, voilà. Vous pouvez également changer de couleur, la couleur d'arrière-plan, bien sûr, ça dépend à votre guise. On va peut-être partir sur cette couleur. Non, elle est un peu vive. Bon, on va laisser la couleur par défaut pour le moment. On va mettre cette couleur par exemple. On peut même mettre du blanc, ça dépend de vous. Donc là, jusqu'ici là, c'est bon. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'ajouter des formes. Si vous voyez un peu, je vais agrandir ça. Si vous revenez par exemple sur ici, par exemple, nouveau patient, je crois que c'est ça. Voilà, nouveau patient. Vous voyez, on va essayer d'ajouter on va essayer d'ajouter toutes ces formes, les boutons, nos text box et tout, nos listes déroulantes. Donc, on va juste essayer d'ajouter ça dans notre user form. Donc, on va commencer par ajouter nos labels quoi. C'est nos différents labels. Dans les labels, on va pas les renommer à ce niveau, on peut juste laisser là. On va juste on va renommer nos labels, non? Nos labels. Donc, en l'occurrence, on aura besoin du nom. Le premier label dont on aura besoin, je crois, c'est le nom. On va mettre en majuscule, hein. Nom. Voilà. Voilà, pour renommer le label, c'est juste là dans Caption. Caption. Renommer, vous mettez le nom. On va également essayer de la police. On peut agrandir légèrement. Pour la police, vous voyez la forme, ça veut dire police. La couleur également, vous pouvez changer la couleur. Mais bon, je crois qu'on va laisser ça en noir. Maintenant, au niveau du fond, on va dire que le fond, c'est un fond transparent. D'accord, c'est bon là. Donc, on va ajouter les autres labels. Donc, pour ajouter les autres labels, soit vous venez, vous cliquez sur label et vous ajoutez l'autre. Soit, on va ajouter par exemple un deuxième label là. Soit on va prendre celui-ci, on va le copier. Copier. Et on va juste coller pour ajouter par exemple les autres. Je ne sais pas combien ça fait. Donc on va ajouter le prénom et tous les autres labels. Donc je vais faire ça rapidement. Je vais avancer légèrement la vidéo. Voilà. Donc là on vient de créer comme ça. D'ajouter comme ça nos labels.
nos différents labels. Donc, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Par la suite, comme ça, nous allons maintenant ajouter des text box. Les text box, les text box et les combo box qui vont nous permettre comme ça d'ajouter les différentes informations. Donc, par exemple, le nom, il va bien falloir qu'on insère le nom, le prénom et tout et tout. Donc, on va insérer ça dans des text box et des combo box. Je vais vous expliquer. Les combo box, qui en réalité, ce sont des listes, un peu comme des listes déroulantes. Donc, notamment par exemple pour les régions, les villes et tout, on peut saisir manuellement ou alors à travers des listes. Donc, on va juste pour ajouter les text box comme ça, vous allez juste là dans la boîte à outils. Vous voyez la text box. Vous cliquez dessus et vous ajoutez votre text box pour redimensionner. Hein. Bon, on va pas partir sur quelque chose de très grand. Après, ça dépend de vous aussi. Hein. Assez moyen quand même. Ça, c'est grand. Et il faut quand même que c'est. Voilà. Que ce texte est pratiquement la même, presque la même taille aussi. C'est important quand même. Pour avoir une certaine. Pour avoir les. Et je vais laisser un peu d'espace encore là. Voilà. Donc voici, on crée comme ça une text box. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire que bon, on va mettre ça en gras. Par exemple, on va mettre ça en gras. La couleur, c'est toujours du noir sur blanc. Ok, donc on fait juste copier et coller pour pouvoir ajouter les autres text box. Donc on fait un copier et oh non. On essaye de faire quelques copies. Donc on a mis pour le nom, on va mettre pour le prénom normalement. On va mettre pour le prénom. Le sexe, on va plutôt utiliser une liste déroulante pour le sexe. Le numéro de téléphone également, c'est bon. Le quartier, on va utiliser le poids, c'est bon. Pourquoi je dis que pour les autres, le sexe, on va utiliser plutôt des listes déroulantes. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu à créer comme ça des listes déroulantes. On a eu à nommer des plages de cellules. On a eu à nommer des plages de cellules. Donc, à partir de ces plages, je crois que c'est bon là. Les autres, là, on va utiliser ça bien après. Bon, on va supprimer. Supprimer également. Donc pour les autres, on va utiliser des listes déroulantes. Donc vous voyez, pour insérer comme ça une liste déroulante, vous allez dans Combo List. Vous cliquez Combo List. Et vous insérez. Vous voyez là, on a nos listes. Ça se présente sous forme de liste déroulante. Donc on va copier également. Qu'est-ce que. Pourquoi? Voilà, donc on va mettre la ville également. Je crois qu'on a on a une liste de villes. On a les listes de villes. Le sexe également, on a une liste. On a une liste. Le statut, je crois qu'on a une liste également. Les phases, on a également. Je crois qu'on doit avoir une liste internet ou pas. On doit avoir une liste de quartier. On a une liste aussi. Les autres, on va juste les supprimer. Maintenant, pour l'âge, ici au niveau de l'âge, on va plutôt insérer la date de naissance. Et en fonction de la date, il va calculer automatiquement l'âge. Donc, on va plutôt utiliser une autre promo box. Voilà. Donc là, on va plutôt mettre ici date de naissance. Date naissance. Petit souci avec mon clavier. Ok, date de naissance, on va agrandir ça. Voilà, donc date de naissance, lorsqu'on va insérer la date, il va nous calculer automatiquement
Il va nous calculer automatiquement l'âge. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. OK. Donc là, c'est déjà fait. Maintenant, par la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant renommer nos différentes textboards. Vous voyez là, par défaut, vous avez textboard 1, textboard 13, combo box 8 et tout. Mais on va plutôt, ce qu'on va faire, on va plutôt les renommer. Ça, là, ça sera facile. Ça sera beaucoup plus simple au niveau de nous lorsqu'on va écrire nos codes. Donc, on va commencer par renommer nos différentes textbox et nos combo box. On va juste renommer ça net comme les labels. Hein. Donc là, par exemple, textbox, on va. Et quand vous renommez, ne mettez pas d'espace. Donc, textbox, on va plutôt mettre en minuscule, je de préférence. On va mettre nom. Pour le nom, on va mettre nom. Prénom, on va mettre prénom. Donc je vais faire ça rapidement. Je vais avancer encore la vidéo. Donc vous voyez, vous venez, vous cliquez juste sur la text box et vous venez sur name pour renommer. Name. Donc on va mettre pré. On va mettre prénom. Voilà, donc là on a renommé nos différentes textboxes, nos textboxes et nos combo boxes. Vous voyez là, on a renommé pratiquement partout. Quartier, oui, on a renommé presque partout. Là, c'est bon. On a renommé partout. Ok, donc là c'est très intéressant. On a déjà fait le. On avance un peu. Bon, maintenant, vous pouvez également consulter votre formulaire. Donc, vous venez juste, vous cliquez sur sur le user form. C'est ça qu'on appelle user form, tout ça. Vous cliquez sur le user form et vous allez là sur la petite feuille exécuter user form. Donc vous cliquez dessus, vous voyez là, voilà comment notre user form. Donc à chaque fois que vous travaillez, au fur et à mesure que vous travaillez, vous pouvez consulter votre user form. Et également, n'oubliez pas, enregistrer toujours votre document comme un document prenant en charge les macros. Donc là, on va faire un enregistrer sous. Enregistrer sous, c'est très important. Enregistrer sous, on va mettre ça, je vais mettre ça là par exemple. VBA, classeur Excel. Là, par défaut, il est sur classeur Excel simple. Donc là, on va, c'est même la première chose que vous devez faire avant de commencer. Prenez en charge les macros. Voilà. On va revenir sur notre code. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Ce qu'on va faire maintenant par la suite, on va essayer d'alimenter nos différentes listes déroulant notamment les régions, la ville et tout, donc on va essayer d'alimenter ça. Et pour alimenter ça, on va utiliser tout simplement, on va utiliser comme ça là nos plages, les plages qu'on a eu à renommer tout à l'heure. On va utiliser nos différentes plages. Donc là, on a les régions, on a la plage, la liste des villes et tout. Donc on va utiliser ces différentes plages. Donc on va commencer avec la région par exemple. Donc vous cliquez juste sur la liste déroulante à alimenter. Vous cliquez dessus. Vous descendez, vous allez sur ressources. Ressources, donc qui est un peu comme la racine quoi. Donc vous cliquez dessus et vous insérez le nom de la liste. Le nom de la liste dans région. Vous voyez là, si on exécute par exemple. Oui, là on a les différentes. Bon, c'est vrai que ça a pris région, c'est pas grave. On a les différentes régions. Vous pouvez cliquer par exemple là. Il va vous sélectionner la région. Vous pouvez cliquer là. Il va vous sélectionner la région. Vous pouvez aussi insérer manuellement. Hein. Vous pouvez insérer manuellement. Vous voyez là. Vous voyez là. Dès que vous insérez. Oh, mon clavier bug un peu. Voilà, lorsque vous insérez une lettre par défaut, il vous donne une proposition. Donc, on va essayer de faire pareil sur les autres. Bon, là maintenant, il y aura quand même une différence. C'est quoi? Ce qu'on souhaite faire, faudrait par exemple que lorsque je clique par exemple sur littoral, lorsque je clique par exemple sur littoral, au niveau des villes, il ne doit pas m'afficher toutes les villes, mais il m'affiche uniquement les villes du littoral. Vous voyez? Il m'affiche uniquement les villes du littoral. Donc on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Donc on va refermer notre user form. Ça c'est vraiment, là on est vraiment en train d'aller étape par étape. Donc je veux pas aller
rapidement, donc pour que c'est pour que vous puissiez bien comprendre, pour que vous puissiez bien maîtriser le VBA. Donc en réalité, la formation va se faire sur 4 ou 5 vidéos ou sur 4 ou 5 modules si vous voulez. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va double-cliquer sur ce label-ci. Ville. Ok. Voilà. Change. Donc, on va lui dire quoi? On va lui dire tout simplement que. On va lui dire tout simplement dans notre code que lorsqu'il voit littoral, par exemple. On va revenir. On va lui dire quoi dans notre code? Lorsqu'il voit, par exemple, littoral ici, là. Il faudrait que le raw source, donc le raw source de la ville, soit plutôt littoral. Donc ça va changer au fur et à mesure. S'il voit centre, le raw source de la ville doit plutôt être centre. Centre qui représente les listes, les villes du centre. Vous voyez là, je crois, si on voit, on va dans notre gestionnaire de noms. Si on regarde par exemple le centre, vous voyez là, ce sont les villes. On a les villes du. Normalement, ça doit être quelque part là, je sais pas. Voilà. Normalement, lorsqu'on clique par exemple sur centre, voilà, ça représente les villes du centre. Si on clique par exemple sur Adamawa, on a les villes de l'Adamawa. Ngaoundéré, bon, on peut ajouter d'autres villes. On va mettre par exemple si bas majuscule. Mon clavier m'embête vraiment. Si Tibati, par exemple, on peut mettre Tibati, on peut mettre B. Ce sont les villes de Ngaoundéré. On peut mettre Ngaounda, je crois. Si je me trompe. Il y a les villes, les différentes villes. Touboro, il y a pas mal de villes. Il y a Touboro. On peut ajouter aussi Touboro. Ça, ce sont les villes de la Damawa. Pour ceux qui sont déjà allés. Moi, j'ai eu la chance de faire un peu toutes ces villes. Bon, bref, on va revenir sur. On n'oublie pas d'enregistrer. On va revenir sur notre truc. Donc, c'est ce que. On revient donc sur notre VBA. Donc, comme je le disais, le raw source de la ville doit à chaque fois changer. Lorsqu'il voit centre, son raw source devient centre. Lorsque dans la région, c'est littoral, le raw source devient littoral. Lorsque dans la région, c'est Adamawa, le raw source devient Adamawa. Donc, on va venir là. On va insérer notre code. On va lui dire si. Si. Oh, qu'est-ce que je fais là? Je vais supprimer ça. Voilà. Je vais dire si. Comme mettre en majuscule. C'est pas grave. On va dire quoi? Si. Si mon. Permettez-moi de faire juste un petit réglage avec mon clavier. Verrouillage numérique. Oh, non, c'est pas là. Voilà, c'est bon. Verrouillage numérique. Si mon région. Région, non. Point value, dans la valeur, ce contenu. Si c'est égal à. Si c'est égal à quoi? À, on va commencer avec quoi? Avec le littoral peut-être. Si c'est égal à li. Si c'est égal à li. To. Là, c'est sensible, il faut faire attention. C'est pareil, c'est très sensible à la casse. Si c'est égal à littoral. Si c'est égal à littoral. Alors qui veut dire den en anglais. Alors on va dire mon ville pour la ville non. Point raw source plutôt. Raw source doit être égal à littoral. Voilà, on va vérifier et on met nif pour terminer la commande. If, n'oubliez pas, c'est très important. If, parce qu'on a mis if ici là. Donc une condition, si valeur, la valeur est vraie, alors
Voilà ce qu'il doit faire si la valeur est vraie. Simple la formule si vous connaissez. Donc si la valeur est vraie, alors sinon il ne fait rien. Sinon il ne fait rien. Mais on aurait pu aussi dire sinon si, donc pour ajouter une autre condition, pour imbriquer une autre condition. Donc on a dit si c'est vrai, alors littoral. Sinon, elle sait qui se dit, sinon, si, encore une autre condition. Là, on est en train d'imbriquer notre condition. On dit, sinon, si, région, région, point, retenez bien la syntaxe, hein, point value, égal à, on va mettre centre, par exemple, mettons Ngaoundéré. 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 Alors, mi, c'est pour dire mon mi, ville point ressources doit être égal à Ngaoundéré, non? Ngaoundéré. Voilà, on met encore un if. If. Autant de if, autant de n if. Donc on va comme ça essayer de vérifier nos premières conditions pour voir si ça fonctionne, bien sûr. Donc là par exemple, on n'a rien, ça c'est vide. Maintenant on va essayer de mettre littoral pour voir. Littoral, il nous affiche rien. On va essayer de mettre. Ah non, c'est plutôt Adamawa. Adamawa, Adamawa. Faut faire très attention. C'est plutôt Adamawa ici. Parce que c'est la région de l'Adamawa. Donc, Adamawa. Ngaoundéré, c'est une ville. Donc, on ne doit pas mettre Ngaoundéré. Adamawa. Adamawa. Si on présente Adamawa là. Oui, là, il nous affiche les villes de la Nga. Il savait que j'ai fait une erreur sur la ville Ngaoundéré. Donc là, il nous affiche les villes de la Damawa. Mais si on change par exemple et qu'on met littoral, il nous affiche encore à Damawa. Si on met centre par exemple, il nous affiche à Damawa. Tout simplement pourquoi? Parce que notre formule n'est pas terminée. Donc on va essayer de finir, de terminer notre code. Donc on rentre là. Bon, maintenant au lieu de ressaisir ça manuellement à chaque fois, je préfère copier ça. Je vais copier et je colle juste. Je colle, je copie, je colle et je modifie. Donc on va prendre centre. On va prendre centre. Ça, ce sont des petits raccourcis hein, parce qu'au lieu de saisir totalement une fois. Ça va nous prendre un peu de temps. On va mettre centre. On colle. On colle. On colle. On colle. Je crois normalement on doit avoir 10 pour les 10 régions, je crois. Pour les 10 régions. Donc on va s'arrêter. On a mis centre. On a quoi par la suite? La suite. Ok, là on est en train d'évoluer avec notre code. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Je crois qu'il doit avoir une dernière extrême nord. Extrême nord. Il faut mettre les guillemets. Hein. Je mets les guillemets comme ça pour que si vous ne mettez pas, ça ne va pas fonctionner. Donc je crois que là c'est bon. Là on a deux n if en réalité. On doit avoir 10 parce qu'on a dit if. C'est ça non? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on doit avoir les NIF. Je vais copier.
je vais coller de ce que j'ai fait. Je crois que c'est bon là, on a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Maintenant, on va essayer de on va regarder. Hein. Là, on n'a rien. On va commencer avec littoral. Littoral, on n'a rien. Je vais corriger, je sais pourquoi. Centre, on a les villes du centre. Vous voyez. Nord, on a les villes du nord uniquement. Adamawa, on a les villes de l'Adamawa uniquement. Est, je crois, on a les villes de l'Est. Donc, au fur et à mesure, vous voyez que cette liste-ci s'adapte à. C'est en fonction du nom de la région. Donc, elle s'adapte en fonction de la région. Donc, c'est très intéressant. Bon, on peut aussi faire pareil pour le quartier. Donc, là, vraiment, c'est vrai que ça va prendre. Ça, vous pouvez vous amuser à le faire. Mais bon, pour la formation, on ne va pas le faire. Pareil, ça va prendre du temps. Donc, c'est le même principe. Donc, en fonction de la ville, par exemple, lorsque vous avez, par exemple, Bertoua ici, là, il vous affiche les quartiers de Bertoua. Lorsque vous avez, par exemple, Yokadouma, il vous affiche les quartiers de Yokadouma. Donc, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez faire pareil. Ça dépend de vous. Et également, vous pouvez ajouter les listes manuellement. Ce n'est pas parce que c'est dans la liste de rôles. Vous pouvez décider également d'ajouter ça manuellement. Là, c'est juste pour éviter les erreurs. Au lieu qu'il vous affiche toute une liste de villes, toutes les villes, il doit vous afficher la ville en fonction de la région. Donc là, je crois que c'est bon. Donc on va également alimenter les autres listes déroulantes. Donc vous voyez au niveau du sexe là, on vient juste à ressources. On met sexe. Toujours enregistré. Quartier, je crois que. Non, quartier, on a dit manuellement. C'est où ressources? Ok, c'est là. On va mettre statut. Statut. La phase, on va mettre phase. Et faites attention à ne pas faire d'erreur. Voilà. Phase. Faites attention à ne pas faire d'erreur. J'ai même pas fini de parler. Donc faites attention à ne vraiment pas faire d'erreur. Statut et tout. La phase, c'est comme si je n'ai pas posé. Voilà, la phase, c'est plutôt posé. Posé. Normalement, je devais renommer sa phase. On va appeler ça plutôt. Modifier, on va appeler ça plutôt face. Voilà, on va plutôt appeler ça face. C'est bon. Voilà, on va appeler ça plutôt face. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, il y a Intogala, c'est bon. Donc, on revient sur notre user form face. Vous voyez que il est très sensible à la casse. C'est où? Contrôle type. Oh, source, d'accord. Face. Face. Ça, c'est int. Simplement. Donc là, on va faire. Je crois que pour la première étape, c'est bon. On a int. Voilà. Là, on va tester notre formulaire. Je crois que c'est bon. Les régions, c'est bon. Le quartier, non, on a dit on peut remplir manuellement. Ouais, là, sexe, on a masculin, féminin, positif, négatif. Voilà. C'est bon. Très intéressant ce qu'on vient de faire. Bon, maintenant, on va essayer d'affiner au niveau de la date de naissance. Pourquoi? De telle sorte que lorsqu'on insère une date, il nous calcule automatiquement l'âge. Donc on va toujours revenir ici là dans notre liste. Dans notre liste, on va mettre date ici là. Date naissance. La date de naissance, on va insérer ça, cette date. On va insérer ça là, à ce niveau, dans cette cellule. On va essayer de centrer.
On va insérer cette date-là et ici en bas, il va nous calculer l'âge. Il va nous calculer l'âge. Dans la date de naissance, lorsqu'on va insérer ça de l'autre côté, on va insérer ça. On va insérer ça dans notre user form. Il va venir s'afficher ici et en bas, il va nous calculer l'âge. L'âge qui est tout simplement égal à. L'âge qui est égal à quoi? L'âge qui est égal à. Ah, on va mettre égal, on va utiliser une formule. L'âge qui est égal à l'année de la date de naissance. Donc année, date de naissance. Donc on va utiliser la formule année. Année de quoi? De cette cellule-ci qui représente la date de naissance. Année de cette cellule. Non, c'est même pas l'année, c'est plutôt l'année d'aujourd'hui. Année de quand? Aujourd'hui. Donc la date, année de la date d'aujourd'hui. Année de la date d'aujourd'hui. Année de la date d'aujourd'hui moins l'année de la date de naissance, non? Que voici. On appuie sur entrée. 121 ans. C'est beaucoup, hein? 121 ans, parce qu'il a pris à l'an 0, commencement de Microsoft Excel. 121 ans. Donc là, si on va par exemple essayer de mettre une date, hein, on va mettre 1er janvier par exemple 2000. 21 ans. Bon, ça fonctionne, c'est bon, ça fonctionne là. 1er janvier 2000, ça c'est 21 ans. Si on met par exemple 25 mars 1900. 90 par exemple, 31. Ouais, là ça fonctionne. Ouais, comment on a fait pour calculer l'âge? C'est pas une formule qui est prédéfinie, on a juste utilisé plusieurs formules. Donc, et il faudra que cette valeur s'affiche sur notre formulaire. Donc, sans plus tarder, on va retenir bien sûr cette cellule. On va retenir cette cellule-ci. On va retenir cette cellule. C'est AB. Donc on va essayer de voir c'est quelle ligne. C'est la ligne numéro 5. Il faut retenir le nom, le numéro de la ligne. C'est la ligne numéro 5 et AB. En principe, ici, on doit être à 26, 27, 28, 29, 30 ans. Je vais essayer de calculer ça encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, voilà, 27. 27 à 3, d'accord. 27, donc là on est à 27, colonne 27 et ligne pour la date de naissance, colonne 27 et ligne 3. Pour l'âge, c'est colonne 28 et ligne 5, d'accord. Donc on va utiliser ce code là pour mettre ça dans notre formulaire. Donc laissez-moi, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire ça? Ok. Donc on va d'abord dire que l'âge ici, la valeur de l'âge. Non, 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 on n'a pas besoin. On va venir au niveau de la date de naissance. Au niveau de la date de naissance, on va dire, on va peut utiliser date change. On va plutôt utiliser une autre truc. On va dire update, non, after update. After audit. Donc ça veut dire que lorsqu'on finit la saisie quoi. After update. Donc after update, on va dire quoi? On va dire que ma date de naissance. Non. Voici ça ici. Ma date net point value. Point value doit être égal à quoi? Doit être égal à la. Non. On va plutôt dire que la cellule this was book. Dans la cellule AA ou c'est AA3, quelque chose comme ça là. Dans cette cellule-ci, on va dire que cette cellule-ci, voilà AA3 qui représente comme ça là, la ligne 3 de la colonne 27. Donc AA3 est égal à AA3 doit être égal à cette valeur-ci, à la valeur de la date de naissance qu'on va insérer. Donc on va dire this workbook. Point. Attention, this work book
worksheet. Worksheet qui représente comme ça la feuille. Hein. Worksheet, on va mettre la feuille. C'est quelle feuille? C'est la feuille de quoi? La feuille des listes, je crois. Feuille liste, oui. On ferme la parenthèse. Point cells, dans la cellule. Point cells. La cellule, on a dit c'est 23. Donc on met d'abord, vous mettez d'abord le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne qui est 3, virgule. 3, virgule. Et maintenant, vous mettez le numéro de la colonne. Je crois que c'est 27. Colonne 27. Voilà, point value. Donc cette valeur doit maintenant être égale à ma point date nes point value. Voilà. Et maintenant, dans next point value, et maintenant on va dire maintenant mon âge mi âge point value égale à 10 workbook point worksheet non liste toujours liste on ferme point cells. C'est quelle cellule? En réalité, c'est la cellule 5, je crois. Ligne 5 et je crois 28. Colonne 28. Colonne 28, point. Value. Donc, on va essayer de voir. On va tester pour voir si c'est correct. After update. Donc, on va mettre quelque chose, un truc aléatoire. Je peux mettre 21, 21, 11. 2000, 2005 par exemple. Donc after order, si je viens, je clique là, il me dit qu'il y a une erreur. On va voir pourquoi est-ce qu'il nous dit. Ok, liste. Vous voyez là, on a plutôt 2T au lieu de 1T. Voilà, il nous a donné automatiquement l'âge. Ça c'est bon. Donc on peut encore changer. Vous voyez là, voilà, c'est même très intéressant. Vous voyez, on met par exemple le 25 avril. 2011. Vous voyez là, lorsqu'on clique là, vous voyez là, il est venu alimenter. Donc, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il prend cette valeur. C'est pour ça que j'ai mis after update. Donc, lorsqu'on va cliquer là, ça dit il prend cette valeur et il la ramène ici là. Et lorsque cette valeur est insérée ici, là on a mis la formule, donc automatiquement il va trouver l'âge. Donc il prend cette valeur-ci, il met ici là et il reprend cette valeur-ci, il vient mettre là. Donc c'est un peu ce qui s'est passé là. Donc je crois que pour là c'est bon. Donc maintenant on va essayer d'alimenter notre base de données. Voici cette base de données-ci, on va essayer de l'alimenter. Bon maintenant avant d'alimenter notre base de données, on va créer comme ça là, on va créer un bouton. Hein. On va créer un bouton, on revient au niveau sur notre code. On va créer un bouton, dans le bouton, je crois que, voilà, commande bouton, on va créer un bouton ici là. En réalité, le bouton c'est quoi? Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, il va prendre toutes ces informations ici. Au fait, lorsqu'on clique sur ce bouton, il va effectuer une série d'actions, une série de tâches quoi. Donc on va y aller. Ok. Il va falloir être voilà. Dans le matricule. Bon, je vais vous dire comment calculer le matricule. Pour le moment, c'est pas une priorité. On va pas le faire. Non. Donc vous voyez là, on est sur quoi? Sur la ligne 2. On est sur la ligne 2. On va aller au fur et à mesure. Le nom c'est B. On a le nom, le prénom, le sexe et l'âge. Donc on va y aller avec notre code. Donc on va dire quoi? On va dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut? On va dire quoi? On va dire que ça là, le nom si, la valeur qu'on va remplir. Donc lorsqu'on va cliquer sur le bouton, la valeur si va venir alimenter le nom. Le nom. Vous voyez? Va venir alimenter le nom. Ainsi de suite, le prénom, le sexe et tout. Donc, on va lui demander de faire ça lorsqu'on clique sur ce bouton. Donc, on va écrire notre code dans le bouton. On va dire quoi? On va dire mon... Non.
On commence par This Workbook. This Workbook. Worksheet, c'est quoi? Worksheet, c'est la, c'est quelle feuille? C'est la feuille NV patient, si vous voulez. NV patient. On referme point cells. Quelle cells? La cellule. Cellule. Ligne 2. Colonne. Mais le nom, c'est quoi? Je sais 2 également. Colonne 2. Point. Value. Ça doit être égal à mi. En mon nom. La valeur de mon nom. Donc, c'est ça, non? Bon, on va vérifier rapidement. Si je mets par exemple le nom, je mets Eto. Hein. On va mettre Eto. Le 9. Eto. Et qu'on clique dessus. Voilà. Oui, là, il a alimenté. Il a mis le nom Eto. Donc, on va faire pareil pour le prénom, la date de naissance. Donc, on va aller rapidement, rapidement. On revient ici. Donc, pour faire les autres, on ne va pas également faire ça manuellement. On va copier. Vous pouvez faire manuellement, hein, mais là, pour gagner en temps. Moi, je copie et je colle. Après, je viens tout simplement remplacer les valeurs. Donc, on va aller le prénom. On a dit quoi? Le prénom, c'est à la troisième position. On va dire mi point prénom. Vous voyez qu'en faisant ainsi, on va gagner un peu plus de temps. Donc on est à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, je sais même pas si ça arrive là-bas, mais bon, on va voir. 14. Donc on est après le prénom on a quoi? On a le sexe là, la région, la ville, ok. Mi point point sexe. Mi point H. Ok, donc là on est en train de poursuivre comme ça, on est en train de poursuivre là notre code. On a le statut, on a la phase également, je crois. On a la phase. Je crois qu'on a un dernier. Hein. On a un dernier, on a la phase, on a même quoi là? Mi. Un texte. Voilà. Ici c'est 15. Voilà. Donc là on a écrit comme ça notre code pour alimenter notre base de données. Notre base de données. Donc on va essayer de vérifier. Non. On vérifie. On prend par exemple le nom. Je préfère, on va mettre en majuscule. Hein. On va mettre Abanda. Un nom comme ça, aléatoire. Prénom Brice. Abanda Brice. Date de naissance, on va dire qu'il est né le 15 juin 1995, par exemple. 1995. La région, on va dire qu'il est du centre, non? Abanda, son nom frère du centre, Yaoundé. Le numéro de téléphone, on va mettre un numéro. Sexe, on va mettre un homme. Quartier, on va mettre quartier. Quel quartier à Yaoundé? Van. Van. Statut, on va positif. Phase. Oui, il est interné. Non, externé. Le poids, on va mettre 75. La taille en centimètres. La tension, on va mettre 22 sur. Bon, moi, je connais pas trop les tensions là. Donc, on va essayer d'alimenter notre base de données. Voilà, c'est super. Donc, je crois que tout est à sa place. Tout est à sa place, mais il y a un élément que voilà, c'est super, tout est à sa place là.
Parce que je croyais qu'au lieu de mettre sur âge, j'avais plutôt mis sur date de naissance. Donc là, c'est bon. Je crois que c'est bon là. Pour le moment, bien sûr. Pour le moment. Vous voyez là, on vient d'ajouter un autre patient. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si à chaque fois qu'on veut ajouter un patient, il y a un réglage qu'on doit faire. Parce qu'en réalité, je reviens là. Lorsqu'on veut ajouter, par exemple, un patient, il faut qu'il nous ajoute une ligne ici. Avant. Parce que s'il vient remplir seulement les informations, il va remplacer ces informations aussi. Donc en réalité, il doit venir, il nous ajoute une ligne. Il doit nous ajouter là une ligne. Il doit insérer une ligne ici là. Avant d'ajouter notre nouveau patient. Donc on va revenir. Donc pour pouvoir insérer cette ligne, on va utiliser une formule. Mais pour notre formule, on va plutôt faire appel à une macro. La macro pour insérer une ligne. Donc vous venez tout simplement dans le développeur. Enregistrer une macro. Macro 1. On va juste. Ou bien on va mettre NV ligne. C'est important aussi de renommer les macros. NV ligne. On peut mettre une description, c'est-à-dire ajouter une ligne. Parce que c'est aussi bien de mettre les descriptions. Parce que si vous avez des longs codes, ajouter une ligne. Donc on est sur cette feuille, on sélectionne, on vient là. Insertion d'une ligne. Et on se place là. C'est fini. C'est tout. Donc on va maintenant, on revient, on cherche notre macro. Voici notre macro ici là dans module. Donc voici notre macro. Tout ce qu'on va, on va tout simplement copier cette macro. Oui, on va copier cette macro peut-être avec le commentaire. Non, on va juste copier cette macro qu'on va insérer ici. Parce que c'est ce qu'on doit faire avant. On va coller là. Voilà. On va coller notre macro là. Non, c'est bon. On va coller notre macro. Ah, je vais 3. Non, un des packs, là. Je vais supprimer ça. Donc je vais vous expliquer un peu la macro. Ouais, sheet NVPath. Ça veut dire quoi? La feuille NVPath. Il sélectionne d'abord cette feuille. Donc parce qu'il peut être sur une autre feuille. Donc la première chose qu'il doit faire là, avant d'alimenter notre, il doit d'abord sélectionner cette feuille. Il sélectionne la ligne, il insère une nouvelle ligne. Après, il vient se mettre sur la colonne, la cellule B2. Puis commence. Donc on va vérifier ça rapidement. Donc on va venir là, on va supprimer cette ligne. On va supprimer cette ligne. Donc on va vérifier ça rapidement. Vous voyez là, on vient d'alimenter. On va prendre Ibrahim. On va mettre Ibrahim par exemple. Ibrahim. Prénom. On va mettre Mousse. Date de naissance 15 juin 1993 par exemple. La région du Nord, bien sûr. Région du Nord. Téléphone 6. Ville Garoua. Quartier, on va mettre G1. Garoua 1, moi je connais pas trop les noms. C'est un nom, bien sûr. Statut, la position. Phase, on peut mettre phase 2 par exemple. Le poids, on va mettre 70. La taille, on va mettre 170. La tension, on peut mettre 25. Voilà, vous voyez ça marche, ça fonctionne parfaitement. Donc, il a ajouté d'abord une ligne. Il a ajouté d'abord une ligne après. Donc, après avoir ajouté la ligne. Bon, il a ajouté les informations tout simplement. Date de consultation, bon, on va faire ce réglage, on va faire ça après. Ok. Donc là, c'est bon, on enregistre notre document. Donc, on va revenir. Maintenant, on va continuer d'affiner notre formulaire. Maintenant, au niveau de l'âge, par exemple, ici, on ne doit pas pouvoir modifier l'âge. Parce qu'on peut mettre une date ici, on ne doit pas pouvoir modifier. Donc, cette cellule-ci, elle est non modifiable. Donc, on va régler ça. On vient juste là, on clique et puis voilà.
On va mettre, on va chercher Enable. Est-ce que c'est Enable? Pour l'activer, on va pas l'activer. Lock, voilà, on va plutôt bloquer. On va plutôt la bloquer. Je crois que là c'est bloqué. Si je mets par exemple, voilà, là je crois que c'est bloqué. Il n'y a pas moyen. Ouais, là il n'y a même pas moyen. Il n'y a pas moyen de modifier. Donc c'est bon, là c'est bloqué. Voilà. Donc là c'est un truc, un petit réglage. Et maintenant, on va faire un autre réglage. Qu'est-ce qu'on veut? On veut également que, on veut maintenant que tous ces champs soient obligatoires. Toutes ces informations. Donc tant qu'on n'a pas, parce que là si on clique par exemple sur le bouton ajouter, vous voyez là il va nous ajouter les informations avec le vide. Or c'est pas ce qu'on veut. On veut que tous ces champs soient obligatoires. Donc s'il y a un endroit qui est vide là, non, il n'ajoute pas. Donc on va revenir toujours ici. On va dire tout ça doit être, tous ces champs doivent être obligatoires. Donc je vais copier ça. Copier. On va mettre ça avant parce que il doit respecter cette condition. Donc je vais, qu'est-ce que je fais, on va y aller doucement. On va dire si, on va dire aussi mon, quoi, mon nom. On va commencer par le nom, non, point value. Point value, si c'est égal à vide, donc si c'est vide, ou on va dire ou c'est or, ou mon quoi, mon prénom point value égal à vide, ou donc on va dire si tout ça c'est vide, vous voyez, on va dire si tout ça. Donc si une des valeurs là est vide, c'est pour ça qu'on utilise plutôt le ou logique. Parce que si on met et, ça veut dire qu'il doit respecter deux conditions. Donc on va dire si une des valeurs, une des conditions là n'est pas respectée. Donc si c'est vide, alors il ne va pas ajouter. C'est pour ça que j'utilise le ou logique. Donc on va mettre mon sexe. Point value égale à vide ou mon âge. Je crois qu'après ça on va s'arrêter pour cette vidéo ou quoi. Après là j'ai, c'est la région, ma région bien, fait attention au code. Ou quoi encore, ou après ma région c'est ma ville. Bon, on va, pour ne pas continuer loin loin là, on va mettre sur la barre du 8 pour pouvoir. Pouvoir passer à la ligne. Pour pouvoir passer à la ligne, on va mettre la barre du 8. Ou je crois que j'étais à ma ville et mon quartier. Ou mon quartier, ou mon tel. Vous voyez tout à l'heure pourquoi je demandais de renommer ces boxes là. Voilà. Donc je crois que là on a posé toutes les conditions. Donc on a dit si tel ou alors, si mon nom égale à vide ou alors le prénom ou le sexe ou l'âge ainsi de suite. Si c'est vide, non. Si c'est vide alors.
Il nous donne, enfin, il nous renvoie un message, une alerte. Donc, le message, il nous dit, pour insérer le message, c'est MG, MSG, box. Et vous insérez juste votre message. Vous ouvrez les guillemets. Attention, non, on va dire remplir tous les champs. Tous les champs. Remplir tous les champs. On va mettre VB. OK, only. VB, OK, only. Et on va mettre le titre. Attention. Voilà. Et on bloque la condition. Et on referme la condition. Donc, on a dit si les conditions là sont remplies, tant que donc si une des conditions là n'est pas remplie, ou alors s'il remplit une des conditions là, alors il renvoie juste le message et il ne fait rien. Il ne fait rien. Mais si tout va bon, on va tester, ça ne sert à rien de trop parler. Ou est là une demeure remplie sur les champs. Non, là, il y a problème parce que là, il nous demande de remplir tous les champs, mais il exécute le code. Oh, je ne veux pas qu'il exécute le code. J'ai oublié de mettre LC. Sinon, voilà. Donc, sinon, il exécute. Donc, on va cliquer. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, j'ai oublié de mettre le sinon. Donc, si ce n'est pas le cas, donc si les conditions ne sont pas respectées, si les conditions sont respectées, autant pour moi. Donc, il ne fait rien. Vous voyez là, il ne fait rien. On va rapidement, on va revenir au niveau du tableau. On va supprimer ces lignes pour que vous puissiez mieux voir. Vous allez mieux vous rendre compte. On va exécuter notre code légèrement. Vous voyez là, là, on n'a pas rempli tous les champs. Bon, on va peut-être faire un truc rapidement. Non, on va bien remplir. Un nom, par exemple, on peut mettre un doigt. Un doigt. Prénom. Toto. Toto, date de naissance. Qu'est-ce que je fais? Région à région, par exemple, la région du quoi? La région du sud. Du sud, ville, Bamayo. Poids, on va mettre 90, un peu obèse quand même. 85, tension, 52. Homme, quartier, Mbalmayo, on va mettre MB1. Mbalmayo, statut, on va dire qu'il est positif, interné, il est externé. Phase, première phase. Bon, là on va laisser par exemple la phase. Vous voyez là, on a rempli tous les champs sauf la phase. Par contre, si on vient remplir la phase, remplir tous les champs. Ah, le numéro de téléphone, on a oublié. Ah ouais, c'est très important. Voilà, vous voyez. Donc là, on a mis une première condition. Bon, on va maintenant essayer de mettre une seconde condition en disant que le poids, la taille et la tension doivent être des nombres. Doivent être des nombres. Donc, par exemple, au niveau du poids, on peut pas mettre, on va pas mettre, je sais pas, une phrase ou bien un mot dessus. Donc on va dire le poids, la taille et la tension doivent être des nombres. Donc on revient toujours au niveau du code. On va dire sinon. Donc après avoir vérifié la première condition, il vérifie maintenant la deuxième condition. La deuxième condition, c'est quoi? C'est is numérique. Donc on va forcer la saisie des is numériques. Donc on va forcer la saisie. Is numérique mi. On a dit quoi le poids non? Mi poids point value. Mi poids, mon poids point value. Si c'est égal à. Si c'est faux.
si c'est faux ou si c'est faux. Donc on va copier. C'est 3 je crois, non? Donc on a dit mon poids, ma taille, l'autre c'est ma taille je crois. Point ma taille. Ma taille, point value et ma tension. Tension. Voilà. Alors. Alors. Quoi? Sinon, si. Voilà. Alors, il nous fait un message en nous disant que le poids la taille, la tension doivent être des nombres. Voilà. Doivent être des nombres. MLG box, j'ai fait une erreur. VB OK only. Et attention, voilà, doit être des nombres. Je crois que c'est bon là, on vient de respirer. Contrôler. On va essayer d'ajouter un autre Kamba. Lori, date de naissance, le 7, 7, 7, 7. Vous voyez là maintenant, il m'affiche un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas de quelle feuille il s'agit. Il ne sait pas de quelle feuille il s'agit. Donc, ce qu'on va d'abord lui demander, on va d'abord lui demander de sélectionner la feuille. Donc, je crois que c'est Sheet. Sheet. Sheet ligne, je crois. Liste, autant pour moi. Liste. C'est même une très bonne erreur. Point select. Voilà, parce qu'il faut d'abord qu'il se positionne pour exécuter. Il faut d'abord qu'il se positionne sur cette feuille, sur la feuille liste. Or là, je crois en réalité, il était plutôt sur la feuille NV. Donc je crois que là, après after update, toujours il me after update, toujours il me parle de la même erreur. Qui est pas ça, on va contrôler ça. Ah d'accord, j'ai fait une erreur au niveau de l'âge. C'est bon, au niveau de l'âge j'ai dû faire une erreur. Donc non, on va reprendre ça. On va jeter à Kamba Audrey. Agile. Bon.
7-7-2007 à la région du nord, ouais, du sud-ouest ou nord-ouest. Même le téléphone, il faut que je règle aussi pour le téléphone. Bamenda, oui. Il faut que je règle également le téléphone. Je l'oblige à dire que Bamenda, on va mettre B1. Le poids, on peut mettre 100, oui. 75. La taille, on va mettre 165. La tension, on va mettre un truc quelconque. Ouais, là, si on essaie d'ajouter, c'est bon. J'ai pas mis le NIF. J'ai pas mis le NIF. Voilà, remplir tous les champs, ça marche. Statut positif, interne, externe, phase PA. Voilà, il a vérifié la première condition que j'ai remplie partout. Maintenant, il me dit le poids, la tension, la taille doivent être des nombres. Vous voyez? Donc ça là, ça doit être un nombre. Donc il faut corriger ça. Il faut corriger la tension. Je mets par exemple 23. Voilà, j'ai respecté. Voilà, c'est bon. Donc on va terminer avec ça. On va mettre. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Il faudrait également que lorsqu'il ajoute, qu'il réinitialise notre base de données, bien sûr. Donc lorsqu'il ajoute, il ajoute un nouveau patient, il faut qu'il réinitialise notre base de données, qu'il nous envoie un message d'authentification. Donc on va, avant de réinitialiser, on va dire lorsqu'il a respecté toutes les conditions, non? Lorsqu'il a respecté toutes les conditions, non, avant, on va déclarer la variante, non? On va dire dim réponse as bit. On va dire réponse égale MLG box. Voulez-vous ajouter ce patient? VBS, non. Ok. Dit que réponse égale à VB. Yes, non. Je vais vous expliquer à quoi ça va nous servir plus tard. Ok, on a dit qu'il fallait réinitialiser. Donc, dès qu'il a terminé. Quoi? Bon, on va revenir dessus. Donc, on a dit que lorsqu'il finit d'ajouter, il réinitialise. Ou bien, il nous envoie un message. Il nous dit patient ajouté et il réinitialise. Donc MLG box ce patient été ajouté. Ce patient a été ajouté. Dit que c'est quoi? C'est une confirmation. Confirmation. Maintenant, dès qu'il dit que le patient est ajouté, il réinitialise. Donc, on va venir là. Je vais copier. Hein. Au
pour mettre le petit commentaire là. Pour le commentaire, on va dire réinitialiser. Réinitialiser le formulaire. Réinitialiser le formulaire. Voilà. Vous voyez là, c'est en vert. C'est pour moi, si vous avez des très longs codes comme ici, on peut dire, on peut mettre le commentaire en disant alimenter la BD, la base de données. Alimenter la base de données. Ici, le commentaire, comme c'est là, c'est juste un commentaire. Insérer nouvelle ligne. Donc ça n'a vraiment pas d'impact sur votre code. Ici, on peut dire forcer la saisie numérique obligatoire. Forcer la saisie numérique obligatoire. Ça c'est le plus difficile vraiment sur ce truc-ci. Ici on va dire forcer la saisie obligatoire. Voilà. Je vais faire ça comme ça vraiment. Bon là on va compléter notre code hein, parce que c'est pas terminé. J'aurais pu faire ça manuellement, mais ça va me prendre du temps. Là, c'est vraiment pour gagner en temps. Donc, vous pouvez utiliser des petites astuces comme ça, là, pour gagner en temps. Ok. Il m'embête, il me saoule là, franchement. Voilà. Donc je lui ai tout simplement demandé de vider le formulaire. Donc après avoir ajouté, je crois que là on est vraiment complet pour l'ajout. Je crois que là oui, on doit être complet. Je lui ai juste demandé de vider le formulaire. Donc lorsqu'il ajoute, il vide. Bon, on va faire un dernier truc rapidement. Consultation, oui, ajouter. Bit. Ok. Donc, je voulais juste vérifier. D'accord. Donc maintenant avant on va lui demander donc de bon pour ajouter non lorsqu'il a est-ce que c'est lorsqu'il a vérifié toutes les conditions si toutes les conditions sont vérifiées oui il m'envoie d'abord le message c'est moi juste vérifier un petit truc. Sinon, elle c'est réponse, tout ça d'accord. Ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici là? Ce que je veux faire, c'est quoi? Avant d'ajouter le nouveau client, il faut qu'il me demande. Il faut qu'il me demande si je veux vraiment ajouter un nouveau client. MSG Box. Donc, je vais dire MSG Box, j'ouvre ma parenthèse. J'ouvre ma parenthèse et je mets mon message. Je vais dire voulez-vous ajouter
ajouter ce patient voulez-vous ajouter ce patient voilà. Je vais ajouter ce patient. Je mets virgule. Je ferme ma parenthèse. Ce patient. Maintenant, je dis si la réponse. Là, c'est une variable que j'ai déclarée. Ouais, là, c'est une variable. J'ai déclaré ma variable. Dim réponse habite. Donc, c'est plutôt réponse. C'est bon, je suis avec toi. C'est plutôt réponse ici. Ma variable, c'est plutôt réponse. C'est pas réponse. Dis-moi réponse avec. Je dis maintenant si la réponse. Si ma réponse égale à VBS. VB. Non. Une minute. Ici, c'est plutôt VBS no. Parce que voulez-vous ajouter ce patient. Soit tu vas dire oui, soit tu vas dire non. Donc c'est VB yes no. Voilà. Donc je dis maintenant si réponse égale à VB yes alors bah, il m'alimente notre base de données. Sinon il ne fait rien. Il alimente et il supprime. Sinon il ne fait rien. And if. Je crois que là on est bon. On va vérifier rapidement. On va vérifier rapidement. On va mettre Abdou. Prénom Abdou Mamad. Abdou Mamad, date de naissance 18-5-2004 par exemple. La région, on va mettre bien sûr la région de l'extrême nord. Jean d'Adamawa, prénom Adamawa, Tuboro, sexe masculin, quartier, TB1, Tuboro 1, poids 69, taille 168, tension 23, statut il est positif, interné ou pas, interné, positif phase 2. On va d'abord vérifier. On va vérifier tout ce qu'on a fait au fur et à mesure. Donc là, ok, il nous demande de remplir tous les champs, c'est bon. Phase P2. Maintenant, si au niveau de la taille, par exemple, on met une autre valeur, il nous demande de remplir tous les champs. Venez-moi au téléphone, d'accord. Donc la première condition, c'est que tous les champs sont remplis. Lorsqu'il a vérifié que les champs sont remplis, il vérifie maintenant les champs obligatoires qui doivent contenir des nombres. Voilà, dans la taille, on va continuer avec la taille, on va mettre sens. Voilà, voulez-vous ajouter ce patient? Si on dit non, il n'ajoute pas, il ne fait rien. Donc si on dit non, peut-on oublier de mettre une information, hein, il ne fait rien. Mais maintenant, si on dit oui, ce patient a été ajouté, on clique sur OK et il vide notre truc. Normalement, il doit aussi vider la date de naissance. Voilà. Voilà, le patient est ajouté. Normalement, il doit également vider la date de naissance. Bon, je vais vous laisser régler ça vous-même. Voilà. Donc, je crois que là, c'est bon. On a vu comment alimenter notre base de données. Bon, maintenant, pour le bouton ajoute, pour ce bouton, vous pouvez également ajouter. Vous pouvez également ajouter, oui. Vous pouvez l'affiner également. Ajouter. Maintenant, auto size, non. Couleur. La couleur, non. La couleur de fond. Vous pouvez mettre du vert. Ça. Ouais, vert. Vert. Taille, la police. On peut mettre à 10. Par exemple,
Et il y a également contrôle type. Donc lorsqu'on survole le bouton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ajouter un nouveau patient. Là, c'est lorsqu'on va survoler. Vous allez voir. Où est là? Si on met juste la souris dessus, il nous dit ce que à quoi ce bouton sert, ajouter un nouveau patient. Pourquoi il n'ajoute même pas d'ailleurs? D'accord. Vous savez pourquoi il ne réagit pas? Parce qu'on a changé ce nom-ci. On a changé ce nom. On a plutôt mis ajouter. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va venir sur ce bouton-ci. On va copier tout notre code. Tout ce code-ci. On va copier tout ce code-ci sur ajouter. Voilà. Et je crois que l'autre, on va le supprimer. On va le supprimer. Voilà. Voilà, c'est bon. Dans l'autre, vous allez le supprimer. Donc là, je crois quand même que c'est bon pour cette vidéo. Bon, on va rapidement pour le matricule, parce qu'il faut qu'il nous renseigne le matricule. Bon, pour le matricule, c'est simple. On va utiliser une formule, la formule gauche et droite. Donc, on va dire quoi? On va dire égal gauche. Formule gauche, non? Gauche de quoi? La gauche du nom. Gauche du nom. Et il va prendre deux caractères. Les deux premiers caractères. Au niveau du nom. Les deux premiers caractères. On va concatener ça avec la gauche du. La gauche du prénom. Hein. Ah, pourquoi le truc, ça me fait ça? Non, bon, on va voir ça. Donc ça, on va voir prochainement dans la vidéo. On va s'arrêter là pour cette première partie. Je crois qu'on a quand même on a pas mal travaillé pour cette première partie. C'est vrai qu'elle est un peu longue, ça, pour ça je m'excuse quand même, mais c'est le plus difficile qu'on a vu, que c'est une des parties les plus compliquées qu'on a vues. Dans les autres parties, elles seront quand même moins longues. Et les autres vidéos seront moins longues, puisque là on a pratiquement vu l'essentiel. Donc, ok, donc, je vous donne rendez-vous comme ça pour la prochaine vidéo.